Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende. Je ne suis pas seul, je suis accompagné toujours maintenant et désormais de ma nouvelle, ma new binôme, la charmante, la célébrissime, le sourire éclatant et les questions qui rentre dans le sang, la charmante et la belle Chola. Bonjour Defalé, bonjour téléspectateurs d'Ivoire TV Musique. Ça va, alors tu as gardé le sourire. Toujours. Toujours, les lèvres rouges, la même couleur que la robe. Toujours, c'est la couleur préférée. Nous allons recevoir un invité de feu, parce qu'aujourd'hui, on va se parler comme il se doit. Mm-hmm. Veuillez recevoir le général Camille Makosso. Bonjour général. Bonjour Chola, bonjour Defalé. C'est un plaisir de te recevoir encore une fois dans le Fafa. Le plaisir partagé. Alors, on ne va pas aller par quatre chemins. Bah oui. Moi, j'ai envie directement comme ça, au-delà de mon récit, dire « Mais, Makosso, quel est le but de ton existence ?» Le but de mon existence est d'amener les gens bêtes à devenir intelligents, de gagner beaucoup d'argent et faire sortir l'Afrique de la pauvreté. Voici le but de moi, mon existence sur terre. C'est pour ça que je vis. Donc toi, tu vis sur terre, mm-hmm. rien que pour ça. C'est pour ça que je suis là. Pour que les gens bêtes mm-hmm. deviennent intelligents, mm-hmm. qui gagnent l'argent pour développer l'Afrique. C'est tout. C'est tout. Tu n'as pas d'autre but. Il n'y a pas un autre but pour ça. Il n'y a pas autre chose qui est dans ma tête. D'accord. C'est pour ça que moi, je vis. Moi, je veux savoir. Quand je me lève le matin, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu appelles les gens bêtes, en fait? Parce qu'il n'y a pas de personnes bêtes sur terre. Hein. Si. Il y a des gens qui sont bêtes, hein. Qui tu qualifies de bête finalement? Ceux qui se lèvent tous les jours et qui disent j'attends le temps de Dieu. C'est eux qui sont bêtes. D'abord, eux, je vous parle de la catégorie des bêtes. Mm-hmm. Ceux-là, ils sont bêtes. Ceux qui attendent le temps de Dieu. Oui, dans la vie, j'attends le temps de Dieu. Mm-hmm. Moi, là, ma pauvreté, là, j'attends quand Dieu va me bénir. Okay. Il est bête. Ah, il est bête. Oui. Parce que le temps de Dieu n'existe pas. Ok. Le temps de Dieu se provoque. Ah par bon, le travail, mm-hmm. par l'intelligence et par la stratégie. Ok. Les gens bêtent encore. Si le temps de Dieu n'existe pas. Oui. Donc tu veux dire que le temps n'existe pas alors? Si, le temps existe, mais le temps de Dieu. C'est-à-dire que tu es assis, tu ne fais rien, tes mains sont croisées. Mm-hmm. J'attends le temps de Dieu. J'attends que Dieu donne mon mari. C'est une manière de parler pour dire que ces gens, ils sont bêtes. Bon. Voilà. Tu les connais? Moi, comme si tu ne les connais pas. Non. Il y en a plein dans nos églises. Non, les femmes disent pas. Que non, moi j'attends que Dieu me révèle mon mari. Oui. Elle est bête. Il faut que les gens comme Makosso existent pour ouvrir leurs gros yeux, pour comprendre ce que c'est que la vie. Voilà, c'est de cela. Alors, quel est le sens du thème de la vie pour le général Makosso? La vie, c'est marquer sa génération pour moi. Donc, si tout le monde doit marquer sa génération, donc tout le monde sera marqué, marquera d'autres, et personne ne... En fait, on sera dans un désordre de marquage des générations cacophoniques. Non, on ne peut pas être dans un marquage cacophonique dans la mesure où, s'il vous plaît, oui. le mécanicien marque dans son domaine, mm-hmm. l'électricien marque dans son domaine, mm-hmm. le footballeur marque dans son domaine, conformément à la Bible qui dit, vous serez la tête et jamais la queue. Mais si tout le monde est la tête, qui sera la queue? Exactement. Celui qui ne croit pas, celui qui reste bête, parce que tout le monde ne peut pas devenir intelligent. Donc, il y a des gens, tu vas beau leur parler, mais resteront toujours. Donc, c'est ceux-là qui seront nos serviteurs. Et qu'est-ce que tu dis du mot prédestination? La prédestination, pour moi, je n'y crois pas. Tu ne crois pas la prédestination? Non, je ne crois pas la donc, prédestination. Pour toi, il n'existe pas de prédestiné dans non. le monde. Non. Pour toi qui es censé être homme de toi Dieu, qui tu ne crois homme pas Dieu. À la prédestination. Je suis des hommes je... qui sont prédestinés non. à être quelque chose sur cette terre. Non. Je ne crois pas ça. C'est donc, la, c'est, donc, laissez-moi donc, finir non, de parler. Non, donc quand vous parlez, oui. laissez-moi parler pour qu'on se comprenne. Oui, on y va. La prédestination oui, n'existe pas pour moi. Okay. Voici quelqu'un qui est assis, il dit non, mon Dieu m'a prédestiné à être un grand footballeur. Mm-hmm. Il est au village. Okay. Il est devenu planteur. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne planteur? Parce qu'il a attendu que la prédestination, la prophétie là, qui dit qu'il sera le grand footballeur, il a attendu ça pendant mm-hmm. des années. Si la prophétie tarde, attends, la caisse s'accomplira certainement, est un verset de la Bible qui a été rendu par le plus petit de tous les prophètes. On l'appelle Habacuc. Si on vous demande de fouiller et de retrouver le passage, vous ne pouvez pas.
Parce que c'est un prophète mineur. Le prophète majeur, qui s'appelle Ézéchiel, dit, oui. Il n'y a donc maintenant aucun délai. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Nous sommes la main de Dieu. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Ils étaient prédestinés à aller où? À suivre la terre promise. En esclavage. Et tous sont morts dans le désert. Il a failli que Josué et Caleb, qui se sont levés, qui ont dit, allons conquérir le pays. Les autres ont dit, non, devant nous, il y a des géants. On parle de l'action de se lever et de prendre territoire. Esaïe chapitre 60, verset 1. Lève-toi et brille, tu ne te lèves pas, ta prédestination, tu as mouillé ça. Ça ne juge pas. Mais toute chose, est basée sur des étapes. Oui. Voilà. Mon rôle, c'est d'enseigner ces étapes. Justement, en enseignant ces étapes, tu ne peux pas parler en disant que la prédestination n'existe pas. Je dis. Parce que c'est une étape de l'enseignement. Non. La prédestination. Laissez-moi finir. C'est la marmaille. Je suis le gendarme de Dieu réaliste. Mais tu trouves pas que dans la réalité, n'est pas dans vos esprits où on s'assoit et puis on attend le miracle de Dieu. Dieu ne fait plus de miracles comme ça. Ah, il fait plus de miracles. Il fait plus de miracles comme ça. Qui fait miracle là? Laissez-moi parler. Il dit, je vous parle des versets bibliques. Vous me parlez. Tu es énervé. Non, mais pas des versets bibliques. Tu es énervé pourquoi? Tu as dit une chose. Tu parles de la vie. Vous me posez une question. Non, tu parles de la vie. Vous ne me laissez pas répondre. Mais on ne peut pas te laisser répondre. Cosette de Fallet pour l'instant. Donc, vous m'avez invité pour quoi alors? Non, peut-être tu peux. Monsieur de Fallet, Luc chapitre 10, verset 19, dit quoi? On n'est pas dans la catégorie des bêtes. Tu es un pain. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. De faire quoi? De marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, Dieu nous a donné le pouvoir. Nous sommes détenteurs du pouvoir de Dieu. Christ a accompli. Laissez-moi terminer. Tout est accompli à la croix. Donc, nous recevons Christ. Nous avons désormais le pouvoir de notre destinée. Ok. Mais nous avons le pouvoir de notre destinée. Je vous écoute. Ok. Camille Makosso. Oui. Selon s'il vous plaît. Propos, avec respect, je suis général Camille Makosso. Le général Camille Makosso. Mais ouais, grave, ok. Général. Votre généralité là, vous avez été nommé par qui? D'abord, je vais vous laisser l'auto-proclamer. Laissez-moi. Quand vous me posez, y a des présidents quand vous me posez une question. Les gens s'auto-proclament. Donc, vous vous auto-proclamez général et vous insistez à ce que moi je sois comme les bêtes que vous appelez général. Je n'en fais pas partie. Justement, moi je veux savoir, est-ce que tu n'as pas l'impression des fois d'abêtir les gens? C'est ça aussi. Selon ta connaissance de la Bible ou selon ton intelligence, tu n'as pas l'impression d'abêtir la population? Enfin, les gens qui te suivent, hein, évidemment. Messieurs les journalistes, quelle est la question? La question, parce que l'autre ne parle pas de général, l'autre ne parle de ton journaliste. Okay. Je vais répondre général et puis tu vas me répondre okay, après. La question là. Hein, d'abord, on m'avait demandé qui m'a investi général. Oui, c'est ça. Je vous remercie dans un premier temps. Merci. J'appartiens à un corps d'armée. Lequel? Qui est l'armée du Seigneur. Et qu'est-ce que vous voulez dire que moi aussi, je n'ai pas mon identité dans cette année? Laissez-moi finir. Vous faites partie de cette armée, vous êtes chrétien, le Seigneur. Nous, on est dans l'armée des Farafas. Laissez-moi finir. Moi, je n'ai pas encore donné mon identité. Mais pourquoi vous ne me laissez pas finir? Mais si nous sommes sur une télévision sérieuse qui fait partie de l'élite de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Avec des journalistes sérieux, professionnels. Non, ça, c'est pour nous blaguer, on n'est pas. Non! Quand vous me posez une question, laissez-moi répondre. Oui. J'ai quand même 20 ans de télé. Tu ne peux pas nous blaguer où on est assis là. Vas-y. Vous parlez un homme d'expérience? Laquelle là? Le titre de général. Je porte ce grade parce que tout simplement, madame, dans ce pays, je suis la voix autorisée de l'église évangélique de Côte d'Ivoire devant l'État de Côte d'Ivoire. En tant que le porte-parole, en charge de l'identification. Okay. Les pasteurs m'ont regardé, m'ont dit, à partir d'aujourd'hui, à mon investiture, tu es notre général. Ah, c'est eux qui t'ont... qui m'ont investi avec le grade de général. Mais c'est eux qui doivent t'appeler général. Pourquoi les pasteurs là s'ennuient, Maintenant, je quitte maintenant dans le milieu, madame. Vous voulez être maudite. Maudite par qui? Vous dites que les pasteurs s'ennuient. Vous êtes en train de parler des représentants des 7 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Général, je vais te dire. Attendez, des 7 millions, nous sommes 7 millions d'évangéliques dans ce pays. Respectez, on n'est pas vos amis. Quand vous parlez des guides religieux, c'est avec respect. Attends. Nous parce que nous sommes sur une télévision bénie par Dieu. Nous parlons à un général qui est censé représenter les guides religieux. Et si là, je ne suis pas ici pour représenter les guides religieux. Je suis ici pour Fafa. Maintenant, si je me pose non, vous me posez la question, je réponds. Attends. Quelle est la question? Bon, la question, attends. Mais le général Camille, tu ne trouves pas que tu es un peu lunatique et plus. En fait, il me fait penser à Kenny West, en fait. Un peu imbu de sa personne. Non seulement ça, mais c'est un narcissique. C'est-à-dire qu'il prend une position, homme de Dieu, quand ça l'arrange. Quand ça saute, il devient blogueur. C'est-à-dire, Makoso, tu l'as un peu perdu par hasard, même. Non, c'est vous qui êtes perdu. Non, jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est d'être trouvé. Laissez-moi finir. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne me posez pas de questions. Vous faites des affirmations. Makoso, tu es qui au juste même? Merci. Bonne question. Maman. Voilà. Vous voyez, on me pose une question.
La fille noire qui est à côté envers Badjera dans Mougli, c'est elle qui répond. Je comprends pas pourquoi les filles noires ont son comportement. Ça fait rien. On est sur un plateau sérieux. Mais les filles noires au comportement noir c'est dans toi un pays noir. C'est toi qui a dit que t'es le père de la maman. C'est pas moi. Il pose une question, elle répond. Qui suis-je? Je suis toi en un. C'est-à-dire influenceur, coach écrivain. Tu as écrit le livre. Voici une femme journaliste qui est sur un plateau sérieux et qui ne fait même pas une enquête approfondie pour venir parler à un homme. Madame, je suis auteur de 3 livres. Numéro 1, les secrets de la réussite. Numéro 2, comment réussir à l'étranger. Et numéro 3, comment devenir milliardaire. Les gens ont payé le livre là. Les gens payent ce livre assez sur Amazon. D'accord. Donc je suis écrivain de 3 livres, à titre d'information. Donc, je suis milliardaire. Je suis maintenant... Les chiffres d'affaires dans le domaine de l'immobilier tournent autour de 700 millions, mais je me considère comme l'employé de mes enfants. J'estime que tout ce que j'ai appartient à mes enfants. Ça, c'est normal. Je suis aussi pasteur. D'accord. Donc, voici mes 3 qualités de fonction. En fonction de la question que vous amenez, je me mets dans la peau de ces 3 fonctions et je vous réponds. Bon, donc, parce que si on me posait des questions en tant que pasteur, je réponds. Mais voilà. Avec des versets bibliques. On me posait une question en tant qu'influenceur, je vous réponds. Voilà. Voilà. Maintenant, le côté marmaille. Il faudrait que vous puissiez avoir la définition selon Makosso avant de vous prononcer sur ce mot. C'est quoi la définition selon Makosso? La marmaille, c'est ce que vous faites actuellement, madame. Elle fait quoi? Vous êtes assise à la télé. Vous êtes une belle femme. Et vous utilisez bien vos atouts. C'est-à-dire les amortisseurs de vos lolos bien montés qui permettent d'attirer les téléspectateurs à pouvoir regarder l'émission parce qu'ils vont voir une femme belle. C'est ce côté stratégique pour attirer, pour atteindre son objectif qu'on appelle la marmaille. C'est le système de la manière et de la stratégie que j'appelle la marmaille. Ce n'est pas escroqué. Mais par moment, elle est malsaine aussi. C'est-à-dire? Elle peut être malsaine. Comment? C'est-à-dire, vous pouvez jouer avec l'esprit des gens. Mais on est dans un monde où j'ai l'esprit des gens. Moi, le monde dans lequel nous sommes là. Voilà, calmez-vous. Mais c'est ce que j'en sais. Comment jouer l'esprit des gens même pour prendre l'argent de façon honnête? Voilà. Bien. Les hommes politiques jouent notre esprit. Les banquiers jouent notre esprit. Les Anglais, comme on appelle ça, la justice joue notre esprit. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'esprit. Ah. C'est le plus mince qui mange pour lui. D'accord. Donc, ce que je veux savoir, général, voilà. Depuis le temps, la nuit des temps, tu joues à l'esprit des gens, ça t'a apporté quoi concrètement? Aïe. Non, financièrement, hein. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Assurance en termes de PQ, oui. Ça t'a apporté quoi financier, de jouer à l'esprit des gens? D'abord, je suis écrivain. Je joue à l'esprit, puis paye mon livre. Vous avez entendu? Oui! Oui! Mon livre là, tu lis pas ça, tu peux être sauvé. Mais j'ai fait quelque chose d'assez fort. Bêtes, en fait. Sur votre... Non, vous voyez. Ouais, c'est ce que tu as dit au début. Je comprends pas. Vous êtes 2 fois bête. En fait, tu dis une chose et tu te dédies après. Mais en fait, c'est vous qui ne comprenez pas. Et vous vous forcez à ne pas comprendre. Non. Je dis, je suis un formateur qui fait passer les gens bêtes à l'intelligence, les gens pauvres à la richesse. Mon livre développe toutes les stratégies pour devenir riche. Tu as rendu une personne riche. Depuis la nuit des temps. En tout cas, au moins, faut pas vous parler des gens ailleurs. Ma fille, elle est riche. Non, je parle pas de ta famille. Laisse ta non, famille. Non, je veux pas. Vous me parlez, si vous parlez des personnes, vous avez dit, je ne les connais pas. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Réponse madame, s'il vous plaît. À ma question, Makosso. Pour cette année 2022, nous sommes en année 2022, au moins 15 000 personnes sont sorties de la pauvreté. Au travers de mes messages, de mes enseignements. Il y a des preuves à l'appui. Madame, vous voyez pas mes conventions internationales en France, en Belgique, partout, dans le monde entier. Je suis le seul pasteur dans ce pays qui arrive dans un pays étranger qui rassemble des personnes. Le fait d'aller dans une convention, ça ne veut pas dire que tu me rends riche. Je peux aller t'écouter parce que je ressors de là-bas, il n'y a rien. Oui, mais alors, la plupart des personnes que vous voyez venir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, malgré ce que vous dites du général Makosso, c'est qu'ils savent ce qu'ils ont vu. Aucun pauvre n'est venu dans ma main pauvre. Qui dit quoi sur le général Makosso? Je vous parle de tout ce que l'habitude, les gens ont l'habitude de dire. Mais c'est toi qui t'es... Entre toi et un boucantier. Pardon? Le boucantier est un esprit inconscient qui pense son argent dans le but d'aller le distribuer dans des shows. Mais tu le fais aussi? Tu travailles dans les concerts, on te voit ici. On te voit ici tous les jours, là. Oui, c'est ça, là. Non, va dire ça, non, monsieur, quand vous dites quelque chose, donnez les preuves. Pour ne pas que les téléspectateurs qui vous suivent... Mais on te voit à la télé. Makosso, on te voit sur les réseaux sociaux. Que Makosso fait quoi? Mais attendez, donnez l'argent. Tu travailles pas. On t'a déjà fait ça? Mais attendez. Est-ce que vous êtes... Mais défalé. Oui. Aïe. Tu es étonné, quoi? Ne transpire pas. Jean, il est non, mais attendez, je ne transpire même pas, mais c'est toi tout à l'heure qui as transpiré seul. Défalé, montre-nous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que Défalé nous montre une seule vidéo où Makosso fait travailler moi. Mais il y a plein de vidéos, Makosso, sur le terrain. J'ai pas dit plus, j'ai dit une seule. Ce qui les vidéos qu'on voit du général Makosso, laissez-moi. Les vidéos qu'on voit du général Makosso, on voit Makosso financer des projets des gens.
Oh, c'est pas vrai. Marcos, les projets que tu finances depuis la même. S'il vous plaît. De résultats, de s'il vous plaît. Amenez mon téléphone. Marcos, arrête de crier. C'est une émission posée là. Madame, allons doucement. Amenez mon téléphone en présentant maintenant des vidéos. Comme preuve, non? Amenez vos preuves. Je vous montre les vidéos. Parler. Le dernier million que je viens de donner à une femme, ça ne fait même pas 3 jours dans mon bureau. Elle m'expliquait son problème, son projet. Mes téléphones sont là. Mes téléphones sont là. Pendant que je fais l'émission avec vous, une autre femme était dans la rue. Sa fille fréquente au lycée classique. Qui m'a parlé de 500 000 francs pour sortir de la pauvreté. Quand je sors d'ici, je vais donner à la dame. Vous me parlez de quel travail? Je ne vais pas, madame. Ce qui me fait, une femme, qui... vous dites 500 000 francs pour sortir de la pauvreté. Une femme avec 500 000 francs, madame, peut prendre le soin de lancer un allocodrome. L'allocodrome peut prendre le soin de lui rapporter par jour 10 000 francs multiplié par 30 jours, ça fait 300 000 francs. D'abord, elle est sortie de la pauvreté. C'est le salaire souvent d'un directeur de cours. Ok, on a compris. Défaler, attends. Vous ne la voyez pas? Marcoso. Mais c'est eux, je vais te montrer là. Attends. La femme qui dormait dans une maison inachevée avec ses deux filles. Marcoso l'a logée jusqu'aujourd'hui, s'occupe de ses enfants. Vous n'avez pas vu? Non. La jeune fille qui a été frappée pour 1000 francs. Que Marcoso a donné 1 million pour lancer son commerce de paille. Vous n'avez pas vu? Mais pourquoi vous avez un esprit de sorcellerie sur ce plateau? Par rapport à quoi? Le résultat sur l'installation aujourd'hui, cette femme a prospère. Marcoso, qu'est-ce que tu appelles la sorcellerie? La sorcellerie, c'est toujours l'esprit des gens aussi. Mais vous me demandez des témoignages. Je vous rends les témoignages. Et vous discutez sur les témoignages que vous vous confiez. Tu es tout le temps en train de parler de la sorcellerie. On t'a vu face à Aziz 47, Makoso. Tu n'as fait que crier. Ce que tu es en train de faire ici, c'est la même chose que tu as fait sur le plateau de la dame là-bas. Parce que tu ne veux pas laisser les gens parler. Vous voyez. Tu posé, c'est une émission posée. Nous, on est serré, Makoso. Doucement. Lisez les questions que vous avez préparé pour moi. Non, il y a pas de parce que vous êtes en train d'aller dans un système de coq à l'âne. Non, vous sautez ici, vous sautez ici. Soyez posés. Quelle est la question? Tu es dans une cacophonie qui ne dit pas. C'est vous qui êtes dans la cacophonie. Allons tous. Question, réponse, je vous attends. On a fait un homme désordonné même dans son esprit. Donc on est désordonné toi aussi. C'est la vérité, tu as trois personnalités. Tu ne veux pas te laisser parler. Tu apprends de venir parler. Quelle ici, là, c'est pas ton territoire. Ok. Quelle est la question? Tout est parti là. Défalé. Défalé. Dis à ma cause. Vous êtes trop petit face à moi. Quelle est la question? Personne n'est petit. Allez-y. Aujourd'hui, là. Quelle est la question? Ma cause, toi, attends. Les trois vont partir. Toi, ce tu as ici. Quelle est la question? Madame, je vous entends. Je vous écoute. Ma cause. Général Makoso, s'il vous plaît. Non, moi, je vais t'appeler Makoso. Makoso, je dis. Elle n'est pas parmi les pasteurs qui doivent. Quand tu prends ton modèle là, ça me prendra bien ici. Jamais. Dans la femme, non, mais ça ne prend pas. Alors. Attends, madame, vous voulez pas mon genre. Madame, tu n'es pas mon genre. Vous ne voulez pas de nos conversations secrètes, personnelles, avec vous. Dédi, vous deux. Parlez. Ah, viens là, tu vas pleurer. Parle. Ah, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, allez-y, madame, posez la question. Attends, on dirait qu'il y a un dossier ici. Allez-y. Je ne sais pas de quoi il parle. Chola, moi, il y a les mêmes. Moi, je suis sérieux. Chola. Général, il y a des droits dans les yeux. Hé, Chola. Oui, général. Chola. Général. Devant la tête. On ne peut pas. Devant les cieux. On pleure. Oui. Chola. On pleure pas. De parler. Général, de parler. Il y a des choses à dire. Continuons le parler. On veut me dire les visites. Bon. Général. Déjà, pour commencer, tu as fait des sorties. Hein. Tu as parlé de la petite, enfin, je ne vais pas dire la petite parce que je ne connais pas son âge, de Sarah Messan, une influenceuse, où tu l'as maltraitée devant les caméras. Tu as raconté comment vous êtes sortis ensemble, nanani, nanana. Est-ce que, général, pour quelqu'un qui se dit être un homme de Dieu, tu penses que réellement tu avais besoin de t'exhiber de la sorte et de dénigrer la fille là? Tu n'as pas pensé un peu à tes filles qui sont devenues des adultes aujourd'hui? Merci bien. Il faut reconnaître que face à cette jeune fille qui est une influenceuse très aimée et autant qui a partagé une partie de ma vie, j'ai mal agi. Et mon humilité m'a amené à 4 reprises à demander pardon à cette jeune fille. Devant la nation, en revenant d'Israël, je l'ai fait. Parce que j'estime que dans la vie, à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle un bilan de ta vie. Et là où tu as fauté, tu demandes pardon. C'est ce que nous enseigne l'humilité. Voilà. Donc, sur ce plan, madame, faites-moi confiance, j'ai réglé ce problème-là. D'accord. Mais est-ce qu'il parlait de l'enceinte? Est-ce que ce n'est pas toi le père de l'enfant? Elle a même accouché. Pardon? Apparemment, tu serais le père de l'enfant de Sarah Messan. Je ne suis pas informé que Sarah Messan a accouché. Ah bon, d'accord, je t'informe. Ah, ça, je ne suis pas informé. Mais tu sais au moins qu'elle était enceinte? Non. Tu ne savais pas? J'ai même su qu'elle était enceinte. Général, j'ai jamais su. De ce que tu Sarah Messan, je ne crois même pas qu'elle a accouché. Sarah Messan a perdu son mari. À quel moment elle a pu grossir? À quel moment elle a accouché? Grossesse, ça, c'est 9 mois. Son mari, c'était l'année dernière. Ou bien? C'est que ça doit être de son mari. Pourquoi? Oui. C'est pas moi. Mais quoi, c'est pas toi? Peut-être que je dis après. Non, parce que tout simplement, l'histoire de Sarah Messan et moi,
c'est encore un an à deux ans même avant le décès de son mari. Son mari est toi alors. Mais ce dossier, on a fini de parler de ça, pourquoi vous ramenez le rendement? Non, non, on veut savoir, parce que c'est... Non, on comprend bien l'affaire. Mais Makoso, non, attends. Donc, elle trompait son mari avec Makoso. Attends, Makoso, tu es qui même? Je suis un pécheur. Non, non, toi, tu n'es pas un pécheur même. Non, je suis un pécheur comment? Non, toi, tu n'es pas un pécheur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire Makoso. Non, madame, non, pas ton pécheur là. Madame, s'il vous plaît, soyons... Non, soyons sérieux. Mais on est sérieux. Vous ramenez un dossier que tout le monde sait. Ah non, les gens, nous on ne savait pas. Mais c'est que vous ne faites pas des enquêtes. On a parlé de ça, c'est fini depuis longtemps. Moi, c'est pas on a demandé pardon. Je me suis trompé. J'ai dit non, je passe à autre chose. Là, tu ne trouves pas que tu te trompes trop? Vraiment? Non, je veux ici, si je reconnais. C'est parce que je suis un homme. Ben, je suis un homme et je vais encore me tromper. Hein. Je vais beaucoup me tromper parce que je suis un homme. Non, là, tu fais non, apparemment, tu fais exprès pour te tromper. Non, je ne fais pas exprès. Je suis... Ça s'en va, non, hein? Je suis un homme. Mais Vital. J'ai commis une erreur. Vous aussi, quand même. Vital, c'est ma fille. C'est ce que tu as dit de Sarah Messan. C'est ma fille, mais tu la framponnais. Je me suis confessé, non? Le bruit de framboisier, hein, ma fille. Je me suis confessé, non? Oui. Je me suis confessé. Non, mais auparavant, tu n'es pas, tu avais dit que c'est ta fille d'abord. Mais c'est ce que tu nous disais? Oui. Toi, tu couches avec tes enfants? Et puis, je me suis confessé. Non, tu couches avec tes filles? Non, je ne couche pas, je couche pas avec mes filles. Mais donc, pourquoi toujours les filles, là, sont tes filles, après, il y a eux? Non, à part Sarah Messan, il y a qui? Pourquoi vous vous êtes séparés, justement? Pardon? Pourquoi vous vous êtes laissés? Pourquoi je ne veux pas revenir sur ce sujet? On dit que tu n'as pas avec Ngo du milieu. Non, je ne veux même pas revenir sur ce sujet. On dit que tu étais dans une position abracadabrantesque avec une artiste coupée des calés. Et puis Sarah a débarqué, elle a vu la scène, elle a préféré te couper. La prison du crapaud. Donc, vous connaissez toute l'histoire, mais vous faites esprit. Ah. Celui qui a pris le sein de dire cela, c'est qui? C'est Jesse J, qui est blogueur en France, qui est un grand menteur sur Camille Makoso. C'est ça. Chacun se lève, il parle. Elle est venue me trouver. Elle a même pris une valise, je crois, combien de millions. Elle serait partie avec ça. C'est avec cet argent qu'elle est au niveau de l'Égypte. Sarah Messan est une jeune fille bien. L'incompréhension qui a eu lieu, c'est que j'ai estimé que si ton ami, ton frère, qui est Stéphane Agbré, dit qu'il va me tuer dans deux jours, toi qui es le frère, tu as la soeur, tu peux dire, ah, comme c'est mon papa, vraiment, c'est quelqu'un que j'aime, moi, il te demande pardon. J'ai voulu qu'elle soit un pont de conciliation. Mais quand on m'agresse, je me mets dans une position de légitime défense. Et que le lendemain, il y a des postes qui se font. Et que je vois les commentaires de cette personne que j'aime bien. Dans le sens peut-être de félicité. Je ne sais pas si vous comprenez. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je laisse tomber. Et après, il y a une autre vidéo qui est sortie. J'aime Pierre de la même manière que j'aime Jacques. Je ne veux pas être dans les aides-moi à détester. Tandis que toi et moi, on avait parlé, tu m'as dit, est-ce que ma... Comme on appelle ça, le problème entre toi et Stéphane, je lui ai dit, ta relation avec lui, ton amitié ne me dérange en rien. Et c'est ces captures que je montais pour montrer que faut pas qu'on pense que je vais utiliser la jeune fille à détester son ami. Non, c'est pas moi ça. Mais en le faisant, j'étais blessé. Et en réagissant, j'ai mal réagi. J'ai fait sortir certains éléments qui pouvaient attester les faits que j'ai dit. Parce que Makoso, quand il parle avec des preuves. Et sans faire sortir les preuves, je me disais, en me défendant, j'ai fait du mal à une sœur. Et ça, ce n'est pas bien. Cette affaire de Sarah Messan, deux ans avant, mais on est resté père-fille. Il n'y avait pas de problème. Jusqu'à présent. Hein? Jusqu'à présent. Bon, en tout cas, pour le moment, elle est dans son coin. Je suis dans mon coin pour éviter beaucoup de bavardages. Tu ne sais même pas que la fille est enceinte. Non, je ne sais même pas qu'elle a accouché. C'est vous qui m'informez. Parce que je n'ai pas vu cette nouvelle sur les réseaux sociaux. Non, en tout cas, merci pour l'information et puis félicitations. Vraiment, félicitations. Alors, voilà, ma cet enfant béni. Ça te fait mal. Ton compte Facebook, là. Coco, me fait mal. Ça te fait mal. Qu'elle est accouchée. Que quelqu'un d'autre l'ait enceinte. J'ai été avec ma femme. J'ai trompé ma femme. J'ai demandé pardon à Dieu. Je suis sorti du péché. Pourquoi j'aurais mal que quelqu'un d'autre ait enceinte? Mais je suis content qu'elle soit vraiment mère. Vous savez ce qu'est être mère? Donc, regarde ta caméra et puis il faut lui dire ça. Félicitations Sarah, si l'information est juste, félicitations, que Dieu bénisse cet enfant et le propulse dans une autre dimension. Tu es une fille bien et reste telle que tu es. C'est moi qui n'ai pas été bien, c'est tout. Faut envoyer l'un des savons. Il n'y a pas de problème. Lors d'une émission aussi, Makoso, oui. Je voulais savoir, ton compte Facebook là, c'est encore existant? Oui. Tu avais promis de le supprimer si jamais il y avait des vidéos qui sortaient où tu insultais Emmanuel Keïta. Exactement. Dès que tu as fait cette annonce, attends. Dès que tu es sûr que tu es allé à l'école. Dès que tu as fait cette annonce. Est-ce que le monsieur est allé à l'école? Non, tu sais, toi, quand tu prends. Tu sais, il y a des gens qui sont allés vers l'école et d'autres sont allés à l'école. Tu as demandé ton niveau scolaire. Par rapport à ça, tu es agressif en même temps. Allez-y. Mon ami, on t'a vu sur les réseaux sociaux.
tu as dit que tu mets quiconque au défi. Défalé, faut pas regarder ta femme, on pensait que tu es un adibaté. Je te jure, il a là. Pas regarder ta forme, tes petites familles pensaient que toi tu es un adibaté, que tu es un guerrier. Défalé, on a mangé ça en prison. T'es un fouin. Mais tu vas répondre dans l'affaire là. Faut pas regarder ta forme. Non, mais j'ai pas de la forme. Mais pourquoi tu t'énerves? Mais non, parce qu'il parle avec sa forme. Faut pas regarder sa forme. Défalé, je sais pas ce que ça te dit là. Vas-y, pose la question. Connais pas l'homme. Tu as insulté Emmanuel Keïta. Oui. Maintenant, les gens t'ont rappelé ce que tu as dit. Parce que tu as dit un truc et tu t'es dédié ensuite. Voilà. Mm-hmm. Donc les gens t'ont rappelé qu'effectivement tu l'avais insulté. Et tu dis tu es revenu, tu dis tu n'as jamais fait ça. Non, il a dit, mais qui compte voilà, voilà, justement, qui n'a jamais fait ça. Que si jamais on trouve une vidéo, où il insulte les enfants d'Emmanuel Keïta, il supprime son compte. Force est de reconnaître que ton compte existe encore. Donc tu n'as pas respecté ta propre parole. Parce que tout simplement, laissez-moi. Bon, là, vous me laissez répondre en 2 minutes. Non, on ne peut pas donner 2 minutes. Parce que ça, là, tu as rentré dans une maman. Parce que toi, tu connais. Et en 1 minute, tu veux rentrer. Donne-moi le nombre de minutes. 10 secondes. 10 secondes. Bloqué. Si je vois que. Si je me tourne, tu échappes, il te bloque. Si vous voyez, vous me bloquez. Ouais, c'est ça aussi. Emmanuel Keïta dit. Oui. L'homme qui l'a le plus insulté, tous les réseaux confondus, c'est Camille Makosso. Elle ment. Parce que le gorille des États-Unis l'a plus insulté que moi. J'ai fait seulement que 3 vidéos. Qui est le gorille des États-Unis? Le gorille Bob Lee, c'est le plus maudit de tous les blogueurs. Il s'appelle le gorille des États-Unis. Mais pourquoi tu le traites de maudit? Mais quelqu'un qui a maudit, quelqu'un, une femme perd son enfant, tu viens dire que c'est elle qui a mangé son enfant. Que l'enfant là, il va en train de pourrir dans la tombe. Quelqu'un qui ne respecte pas les deux deuils et la mort est quelqu'un de maudit selon la tradition africaine. Il est maudit, je te le confirme, il est maudit. Il est maudit. Respecter le deuil et de la mort de quelqu'un. Qui? Vous, tu es d'accord que. Non, je ne suis pas d'accord. Tu as d'accord dit quelqu'un moi, je parle, moi, est-ce que tu as d'accord dit quelqu'un fait. Moi, je prends les faits. Hein? On est sûr, Manette, n'allons pas ailleurs. Non, laissez-moi finir d'abord, puis j'ai ça. Tu ne reçois que ce que tu envoies. Si tu es dans un système, dans un milieu, que ça se passe comme ça. Excusez-moi, s'il vous plaît. Mais je suis désolé. Nous avons l'homme Guigui, s'il vous plaît, monsieur. Vous parlez de mon milieu. L'homme Guigui, votre père, son fils. Vous avez un code de déontologie. Bien sûr. Est-ce que vous êtes des personnes bien qui ont une morale? Oui, bien sûr. Avec les paroles que vous prononcez, bien sûr. Vous pensez aux enfants des gens. Nous avons une morale. Et vous parlez de morale. Quand tu parles de vous, tu parles de quel vous? Qui est vous? Mais tout, vous, tout. Vous veux parler de tous les blogueurs? Mais bien sûr. Mais c'est la bêtise qui fait que tu nous invites et que tu es content. Mais non. Laisse-moi maintenant, il y a tes réponses. C'est pas pour ça que l'homme Guigui perd son enfant. Oui. S'il vous plaît. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Pouvez-vous me montrer une vidéo où je m'amuse avec la mort de quelqu'un? Mais pleurer avec qui? Laissez-moi. Quelqu'un qui t'insulte tes parents. Après, vous pouvez vous créer des conflits. Est-ce que vous pouvez étonner vous pouvez me laisser Moi, je suis désolé. Le problème avec vous, c'est que vous ne laissez pas les gens finir. Attends d'abord. L'homme Guigui perd son enfant. On va continuer avec Emmanuel Keïta. Ensuite, qui vient se réjouir de la mort d'un être humain. Jean, ça t'a fait trop mal. C'est pas que ça. Parce que moi, je l'ai vécu. On ne joue pas avec la mort. Il faut qu'on ait des limites. Ce monde de game dont tu parles, de classe, je suis sorti de ça fait plus d'un an. J'ai pris l'engagement. Ce monde-là est en train d'être assaini. Le poteau, vous n'avez plus dans ce milieu. Yakala qui est sorti de ce milieu. Tout le monde, il seul, un seul. Le gorille, le singe ne changera jamais. Sur Manuel Keïta, elle dit, de tous les réseaux confondus, c'est Makosso qui l'a le plus insulté. C'est son opinion? C'est son opinion. Ah bah voilà. Ok. J'aurais insulté son sexe. Et ses enfants? Et j'aurais insulté ses enfants. Makosso dit, la question lui a été posée, si Makosso a demandé pardon pour tous les propos qu'il a tenus vis-à-vis de toi, quand tu demandes pardon, c'est parce que tu es conscient que tu as tenu de mauvais propos vis-à-vis d'une personne. Exactement. Ok, mais le côté insulter sexe, insulter enfant, j'ai dit, amenez-moi une vidéo où j'insulte son sexe et j'insulte ses enfants. Parce que je parlais de manière que tu as de l'influence qu'elle a. Tu es une jeune dame. Comment tu peux être aussi bête pour aller te rabaisser à des petits blogueurs? Mon ami, c'est pour tous ces propos durs que j'ai dit, Emmanuel Keïta, je te demande pardon. Mais mon ami, puisque tu l'as insulté. Laissez-moi finir. Maintenant, dis-moi qu'on s'est insulté. Oui. Alors, mais j'ai pas insulté son sexe et insulté. Ton que tu viens de dire, la phrase, là, ça fait quoi? Il n'y a pas Maudia dedans. Je parle de son attitude vis-à-vis de certains influenceurs. Et je demande qu'on m'amène les vidéos où j'insulte ses enfants. On me présente une vidéo où Makosso dit elle a 3 enfants de 3 pères différents. C'est ça qu'insulte enfant. Mais pourquoi tu en parles en fait? Makosso. Ça te regarde pas? Mais c'est pour tout ça, il a demandé pardon, vous voulez quoi à la fin? Mais n'empêche que tu l'as insulté avant de lui demander pardon. Mais je pas. Attendez, non. Je dis, Seigneur. Tu n'es pas un enfant. Mais laisse-moi finir. Alors, toi, tu es un adulte.
et tu poses des actes matin, midi, soir, et toi, tu demandes pardon seulement. Donc, les gens doivent être s'asseoir, toi, t'attends. Tu les refuses, et après, tu demandes pardon. Tu es comme un serpent à sonnette, tu sors, et tu apprends. Monsieur, on se voit dans la rue. Tu ne peux rien faire, toi, tu ne peux rien créer. On se laisse dans la rue. Tu ne peux rien créer dans la rue même. Toi, tu viens créer des choses dans la rue. Moi. Faut te calmer, c'est comme tu as couru même pour demander aide. Ouais, faut te calmer, ça. Hein. Le jour là, le jour là, c'est la faut te calmer. Sinon, sur le plateau, on va commencer. Ma façon, tu es venu ici pour te battre. Mais quand il est en danger, c'est comme ça, il fait. Défalé, c'est toi qui parles de la rue, je suis là. C'est l'autre esprit là maintenant qui est sorti. Il a cassé ta bouche en direct. Belle début, belle début. Voilà, maintenant. On peut passer à l'autre. On peut. Non, maintenant. Parce que l'esprit, ça là d'abord. Voilà. Maintenant, j'ai demandé, vous dites, Makoso demande pardon et après. Mais s'il vous plaît. Au contraire, on doit dire, Makoso, vous avez présenté des excuses à Mademoiselle Emmanuelle Keïta. Deux jours plus tard, un mois plus tard, ou six semaines plus tard, voici ce que vous allez faire. Depuis ce jour, on doit te féliciter. Malgré que les personnes essayent, malgré, on doit me féliciter, me féliciter, mais même me donner, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Depuis que je parle, est-ce que vous m'avez entendu dire, est-ce que vous m'avez entendu dire pour dire que Emmanuelle Keïta fait pire que ça? Ou elle a pris le truc en bonbon pour laper dans le but de pouvoir ironiser sur une autre fille. Non, nous ne sommes pas parfaits. Chacun d'entre nous a eu à poser des actions. Et en tant que le père, j'ai quand même 2 500 000 abonnés. C'est mais toi, tu le père. On fait rien, ça. Même. Toi, tu te lèves les filles là sur la base, je suis ton père. Qu'est-ce qu'il y a? 2 500 000 abonnés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mes pages là sont plus monétisées. Je parle, vous allez mes pages n'ont jamais été monétisées, Madame Chola. Et vous savez très bien que les miettes que donne Facebook n'est pas ce qui peut garantir mon quotidien. Qu'est-ce qui garantit ton quotidien finalement? Mais finalement déjà, le père, Ahmed Bakayoko n'est plus là. Comment va qu'on arrive à vivre ou à survivre? Mais avec vous, on quitte ici, on saute ici. C'est ça le farfar. Bon, le farfar, c'est que tu as beaucoup, non? Souvent, on doit prendre part. Quelle est la question? De quoi est-ce que je vis? Toi, mais bouillez toi dans ta tête. Tu survis là, parce que là, le père n'est plus là pour. De quoi je survis et puis j'arrive à donner. Table, et puis j'arrive quand même à donner 1 million à des femmes qui veulent entreprendre. Mais quand tu dis 1 million, tu fais, on dirait 1 million là, c'est trop cher. Je t'ai dit. Akosso, allons doucement. C'est pour les petites mécaniques. Comment? Sinon, je peux vous demander votre salaire, madame. Faut demander à Zoumana Bakayoko. Vous gagnez plus d'1 million, vous? Demande à Zoumana Bakayoko. Madame, s'il vous plaît. Allons-y. Elle n'est pas qu'animatrice. Maintenant, allons-y. Vous me demandez de quoi est-ce que je vis? Je suis entrepreneur. Donc maintenant, je suis entrepreneur. Non, c'est toi. Donc on me pose une question et on répond. Je réponds. Oui, madame, je vends maison, je vends voiture. C'est tout. Voiture que je vois que tu conduis là. Oui, oui. Je roule dans une vieille voiture parce que j'ai compris ce qu'on appelle la vie. Le Ghanéen est là où ça vient de notre pays. Il vend assiette, mais il mange dans le coup là-bas. Parce qu'il a compris ce qu'on appelle la vie. Je ne suis pas un boucantier. Je suis un homme réaliste. J'ai compris que l'immobilier est quelque chose qui rapporte 30 millions de chiffres d'affaires sur une maison. Madame, je vous conseille d'investir dans l'immobilier. Je ne vivais pas au dépens. Je ne vivais pas au dépens de M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, et père son âme. Mais tu le grattais. Il le te quoi? Tu le grattais, il te donnait de l'argent, des millions de temps. S'il de vous temps. Plaît. Il faut reconnaître s'il ça. Vous plaît. Ah, je n'ai... Pas, nous, tu as raconté s'il ça. Vous plaît, laissez-moi parler encore. Sa femme est vivante, tout le monde est témoin. Je n'ai jamais de toute ma vie écrit une lettre de demande d'aide à M. Ahmed Bakayoko. On ne parle pas de demande d'aide. Je n'ai jamais, M. Mola est encore en vie. Je n'ai jamais tendu la main à M. Ahmed Bakayoko. Raison donc pour laquelle... Donc, il n'a rien de lui. Laissez-moi finir. Voici le respect qui s'est imposé. Lorsque nous avons des séances de prière pour la Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui est souvent invité en tant que parrain, dit voici ce que je donne. Pour, ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour l'organisation de la prière. Mais ça, c'est juste un mot. C'est pas pour Makoso. Et c'est pas moi. Tout ça, c'est pareil. Laissez-moi finir. Ah. Et c'est pas Makoso Kami qu'on donne. C'est quoi, on ne donne pas de l'argent. On donne au comité d'organisation d'où il y avait un pasteur qui s'en chargeait. Et c'est pas lui qui donne. Il donne à l'un de ses éléments qui remet. Pardon? Toutes ces coordonnées. C'est pas coordonné par moi, puisque nous étions trois entités qui organisons ces programmes. Général. De prière. Il y avait moi, il y avait d'autres pasteurs qui ne sont même pas de ma fédération qui organisons ces genres de prières. Donc ne prenez pas, s'il mais vous qui plaît. Est l'initiateur. Général. C'est général. Même pas moi l'initiateur. Celui qui est l'initiateur, c'est le révérend Ba. Comme il s'appelle Ba Jonathan. Mais on parle du Ba Jonathan, monsieur, on parle de toi. Monsieur Camille. Ba Jonathan est présent. On est dans le milieu, tu oui. sais. Ben, Jonathan, s'il te plaît. Mais c'est mon ami, mais alors, il a une organisation. Parles, c'est à moi, tu parles, on est... Le révérend, s'il vous plaît. Voilà. Alors, oui. Le révérend Raoul Wafo est un père, est une personne à moi. Et ça dit que c'est... Je peux faire des combinaisons avec lui. C'est coordonné par Ben Jonathan, c'est ton type. C'est pas mon type en tant que type. Ben Jonathan, moi, on était dans la même organisation. Il y a eu conflit, on s'est séparés. Oui, dans le temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec le père? Merci bien. Je ne parle pas dans les détails. Merci bien. Donc,
Donc, vous savez très bien que Bad Jonathan et moi, il y a eu un passif. Oui. Donc, on ne peut plus être complice comme complice. C'est fini ça. Non, vous pouvez vous respecter. Lorsque, non, je dis maintenant, vous respectez. Lorsqu'on se respecte. Donc, non, maintenant, là, donc, vous pouvez aller ensemble. Vous voyez, il y a eu un bafou. Donc, maintenant, tu aurais tous la même ligne. En tant que président de fédération, je suis président de fédération. Lorsque nous disons qu'il y a un programme national, tous les présidents se mettent ensemble et on organise. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas le gestionnaire. La preuve, lorsque nous avons reçu le premier ministre en fait, Ahmed Bakayoko. Personne ne répond pas à ma question. Lorsque je vous ai répondu que je n'ai jamais reçu de l'argent du monsieur, est-ce vous me dites que toi je n'ai jamais reçu. Fa, fa. Oui. Le ministre, paix à son âme, ne t'a jamais donné quelques millions. Même si tu ne lui as pas demandé, il ne t'a jamais donné des millions que tu as pris, tu as sécurisé ça dans ta propre poche. Fa, fa. Voilà la caméra. Non, regarde la Côte d'Ivoire. Là, là. J'ai perdu ta poche là. Là. C'est retour là-bas. Il sait. Vous êtes là-bas. C'est mon élément. Comment tu fais ça? Il est fâché. Bon, soyons sérieux. Lorsque j'ai perdu mon épouse, toutes les autorités de ce pays m'ont dit Yako. Ouais. Je reconnais que dans l'organisation des obsèques de ma femme, le premier ministre Ahmed Bakayoko a été un homme très généreux. Il est tapé proche là, non? Il a pris le soin de nous donner, s'il vous plaît. Il a pris le soin de donner une première participation et il m'a appelé pour dire, est-ce que tu as reçu la commission? J'ai dit oui, voici le montant que j'ai reçu. Il m'a dit, ils vont te rappeler encore. Et quand ils ont rappelé, laissez, s'il vous plaît, laissez, s'il vous plaît. On est dans un cadre sérieux. On parle d'une affaire. C'est toi qui veux nous prendre pour des enfants. On parle d'obsèques. Oui, mais c'est toi qui nous prends pour des enfants. Dans les obsèques, le premier ministre donne quelque chose caméras, pour le Yako, pour l'organisation des obsèques. C'est pas moi qui demande pour dire non, j'ai des problèmes. Je n'ai pas de problème financier jusqu'à ma mort. Est-ce qu'elle t'a dit que tu as demandé? Est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce que tu as demandé? Elle dit que je vivais sous le brassard au crochet. La réponse est non. Ceux que vous connaissez, allez bien leur demander. Je fais partie de cette liste. Maintenant, parle-moi de ton amitié de Joulet Moulari. On a l'impression que tu lui fais de la lèche là. C'est comment? Qu'est-ce qu'elle s'y vous lit finalement? Et puis, tu sais que Moulari est le producteur de Apuchou. Apuchou qui est désormais ton ennemi juré. Donc, qu'est-ce que tu fais à faire de la lèche à Moula? D'abord, je vous remercie. Laissez-moi répondre calmement à la question. D'abord, Apuchou n'est pas mon ennemi. Mais il ne veut plus te sentir. Est-ce que vous êtes en odeur de sainteté? Attendez. Quand vous dites il ne veut plus me sentir, c'est moi qui l'ai bloqué. C'est moi qui ai mis fin à notre relation. Tu ne t'es pas excusé dernièrement? Vous voyez, madame, c'est pour ça l'Afrique est en retard. Par rapport à quoi? On ne veut jamais finir un projet. On commence une route, on finit pas. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Donc, vas-y. Je vous donne un exemple de l'esprit africain. C'est ça. Monsieur Moula, les relations qui nous lient existent avant la naissance d'Apuchou. Mes relations qui me lient au roi 12-12 existent avant la naissance d'Apuchou. Mais pourquoi tu parles du roi 12-12? Tu grattes le roi 12-12. Je suis en train de parler pour vous donner des exemples. Tu manges à tous les râteliers, toi. C'est un râtelier. Vous voulez... Vous m'avez invité sur ce plateau pour m'insulter, m'humilier, poser des questions. Râtelier, ce n'est pas une injure. Vous m'avez invité pour me poser des questions. C'est un français, il est parlé. Monsieur Camille Makoussou, ce n'est pas une injure. C'est pas une injure. Je peux répondre? Vous pouvez répondre. Bien sûr. Quand vous me dites que j'ai fait lèche-botte à Monsieur Moula, Monsieur Moula organise un événement qu'on appelle le Primit, qui était à deux doigts de ne plus exister en Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai démontré au premier de l'année dernière que je suis le seul influenceur capable de pouvoir influencer les décisions de l'État. En 3 minutes de parole, l'État de Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités d'accompagner désormais M. Moula. J'ai fait une promesse ce jour en disant que je donnerai 3 millions de francs CFA pour l'organisation du premier. Donc vous êtes son sauveur? Oui, on peut dire ça comme ça. Pour le premier, je peux dire que je suis son sauveur. Selon lui. Oui, je suis son sauveur pour le premier. Ah, donc j'ai apporté ma participation. Est-ce que Moula va reconnaître ça? Parce que, par le respect, il le reconnaît. Il me dit toujours merci général parce que tes propos que tu as eu à dire, et il le dit officiellement et publiquement sur ses postes. Makoso, tu as sauvé le primut. C'est bizarre, j'ai jamais vu. Merci bien, c'est la preuve que vous devez beaucoup faire des recherches avant de venir nous asseoir poser des questions bêtes. Ça m'intéresse pas. Voilà. Faut aller faire des recherches, venir poser des questions bêtes, des filles noires là. Merci. Faut aller faire des trucs bagira que tu sois. Comme toi, tu es clair là. Donc, monsieur Moula et moi, nous avons. Oui, oui, oui. Sarah Messin est noire. Oui, ça pour cela, ça n'a pas marché. Voilà. C'est payé ta sorcellerie. Hein. C'est ta sorcellerie qui a gâté la relation. La jolie fille là. Je ne savais pas qu'elle faisait toi, mon frère. Tu es méchant. Toi, tu as dit ça. Tu faisais quoi? Toi, tu as dit ça. Tu faisais quoi? Chola. Chola. Général, continue. Chola, toi, tu as dit ça.
Non, mais pas dit ça. Il veut Chola, en fait. Il veut que casse les capots. Pourquoi capo. Qu'on a réussi ça Chola est fâché. Jamais. Ah, et c'est pourquoi. Oh, dis-moi. Ah, on va passer au sujet. Oligos. Okay, okay, merci bien. Oligos est sorti. Ah, d'accord. Ok. Tu veux faire. Sur la faute, tu veux l'esprit de l'autre là. Non, Chola sait, je sais. Je sais rien. La petite fille est trop jolie pour toi. D'accord. Je reconnais que Sarah était plus belle que ma femme. Non, 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 c'est pas ce qu'on a dit. On dit pour toi. Non, on n'a pas dit ça ici. Mais non, non, non. Non, donc, tu avais dit. Trop de respect pour toi. Ah, donc, tu connais qui était ma femme. Non, non, non. Toi aussi, arrête. Donc, il sait qui était mon museau. C'est comme ça, il est. Faut te calmer, petite. C'est comme ça, il est quand il a acculé, il a le dos au mur là. Tu sais, dans quelle émission ? Va faire de lui comment ? Va faire de lui comment ? Quel est le nouveau esprit qui est ici là ? C'est l'esprit qui tue les esprits comme pour toi. Faut parler de lèche-botte. Chola, tu n'étais pas content. Lèche-botte de Molaré là. C'est de ça qu'on parle. On dit que c'est le lèche-botte de Molaré. Quand tu parles là, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais du fait que ça fait plus d'un an qu'on ne cause plus ensemble, que tu es fâché ? On causait ensemble avant. Mais il parle de quoi ? C'est de moi que tu parles ? Mais non, arrête. Arrête. C'est peut-être devant caméra quoi. Non, sois sérieux, arrête ça. Non, 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 non. Et cher téléspectateur, il s'amusait. Voilà. Cette femme, elle mène sa vie. Elle va revenir. Si mon mari met mes barrages dehors, là, Makoso. Faut continuer, c'est pas gentil. Quand tu te fais menacer, tu cherches à garder le mari. Non, c'est comme ça, il est. Moi, j'ai rien dit. Makoso, t'es pas bien. J'ai rien dit. T'es pas bien. J'ai rien dit. Chola, ça va? Oui, ça va. Ça va très bien. Question. On parlait de Molaré. Mais j'ai donné ma relation avec Mola, c'est la relation de respect. Oh. Maintenant, Apuchou et toi, est-ce qu'un jour le problème peut se résoudre, oui ou non? Quand vous demandez à Apuchou, il vous dit qu'il n'y a pas de problème. Si Apuchou dit lui, il veut te sentir. Il ne peut pas dire qu'il va me sentir, parce qu'il ne m'a jamais senti. On n'est pas amis, on n'est pas dans une relation pour dire, tous les jours on se parle, on est des complices et autres. Il n'y a pas de relation. À chaque fois qu'il m'appelait, c'est « Ah, le vieux, vraiment, aujourd'hui, là, j'ai fait telle performance. Le vieux, qu'est-ce que tu peux me donner encore comme conseil? Fais comme ceci. Ah, le vieux, il y a tel problème et autre. Comment je dois pouvoir les gérer ?» C'était... Mais aujourd'hui, l'élève a dépassé le maître. Faut ça le reconnaître. Bon, il t'a surpassé. Apuchou t'a surpassé. Quand vous dites « surpassé », comment? C'est-à-dire que ta maman est dans laquelle tu es. Non, calmez-vous. Et puis tu dis que quand il t'appelle, tu as dit quelque chose. Tu as dit quelque chose d'important. Mais je vais t'aimer. Tu dis qu'il a surpassé là, c'est comment? En nombre d'abonnés, en nombre de visibilité, en nombre de traitement de dossier, en nombre de visibilité, il t'a surpassé. Tu es sérieuse là? Bah ouais. Ouvrez son WhatsApp, son truc, comme on appelle ça. On est en train de faire s'il vous plaît. Le temps de prendre téléphone. Ouvrez les deux pages Facebook. Allez regarder l'audience des différentes vidéos. Champion, ma page était restreinte. À l'heure où on parle là, moi je traite des dossiers. On ne fait pas la même chose. Il est musicien. Il fait musique. Est-ce que toi tu fais pas musique aussi? Je fais pas musique, c'est pas chanter. C'est un coupeur de canneur. Je sais pas chanter. C'est veste brillante qu'il porte pour aller au Primude là. Même veste là, tu as porté ça encore cette année, tu n'exagères pas. Vous voyez, non, et tout là, vous voyez, l'esprit de sorcellerie est en train de se manifester sur ce plateau. Lui toujours, les gens sont sorciers. Si je vous présente les deux images des deux costumes différents, vous ferez quoi? Faut présenter l'image. Donnez-moi mon téléphone. Devant tout le monde. C'est pas ta même veste là, tu as. Donnez-moi mon téléphone. Mais ma gosse, voilà. Non. Une veste d'été. Non. Oui. On va voir l'image. Faut te calmer. Si M est passé, tu as lavé pour reporter, ça peut déteindre. Ça peut changer de couleur. Donc, image, je suis sûr que tu as nous montré là. C'est une couleur claire. C'est ma mailleur. Ok. Tu es ma mailleur. On connaît ça, faut nous montrer. On va voir ça. Voici le premier costume. Quelle année? Ça, c'est quelle année? C'est pour ce Primude. D'accord. Vous le voyez? C'est un nœud. Ici est noir, noir. Je présente ça devant tous les téléspectateurs. Ok. Maintenant, j'espère que je vais retrouver ça très rapidement parce que j'avais téléchargé cette image. Donc, j'attendais à tout ça. Là. Maintenant, voici le deuxième costume. Attends que je vois. Premier costume, cette année. Oui. Voici le deuxième. Mais c'est la même chose. Ça a juste déteint. Le tailleur a juste changé de truc. Voici l'année 2021. On voit bleu. Voici l'année 2022. On voit exactement. Pourquoi il est fâché? Or, voici les deux. Bon, viens t'asseoir. Voici les deux. Donc, nous sommes en face d'une menteuse. Moi. Mais tu as menti, je t'ai monté la preuve. Tu dis ça déteint. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Mais c'est la même veste. Chola. Tu as changé de chapeau. Arrête ça. Oh non, Makoso. Dis la vérité un peu un jour. Chola, pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas de chapeau comme ça. À part ce chapeau-là. Défalé, tu es chrétien. Chapeau là, te va pas. Défalé, tu es chrétien. Chapeau là, ça te va même pas. Défalé, tu viens au paradis. Faut pas laisser sur moi, je vais c'est la même chose que là. Chola, pourquoi tu fais ça? Chola, pourquoi tu fais ça? Mais c'est la même chose. Chola, pourquoi tu fais ça? Chola, qu'est-ce qui t'arrive, Chola?
En vérité, en tant qu'un jeune entrepreneur, j'ai pris la décision de ne pas porter de marque. Ouais, je préfère faire confiance à des stylistes ivoiriens. Et qui a confectionné ta tenue? C'est un jeune styliste ivoirien qui confectionne toutes mes tenues lorsqu'il va aller pour des biens. Voilà, parce qu'il faut prendre le seul. On va à une soirée brillantine, gala. Non, ça n'est pas brillantine. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Attends, tu vas pas lever tes mains. J'ai été l'homme le mieux habillé la semaine dernière. Ça, c'est mieux habillé. Et j'ai été l'homme le mieux habillé. Mais c'est qu'il y avait mieux. Toute la Côte d'Ivoire reconnaît. Mais les gens sont venus en quoi? Les gens sont venus en saut. Il y a quand même mieux habillé. Non, faut te calmer. Après, un mal l'Ouest. Attends, Chola, c'est vrai qu'entre toi et moi, il y a un gourmet bizarre. Qui? Chola, reconnaît. Reconnaît. Chola, c'est mieux habillé. Quel honneur! C'est toi qui as dit ça aujourd'hui? Moi. Ton mot diable au placard. Quand tu regardes ce gars-là, ses camarades sont ton camarade. Ouais, ton mot diable au placard. Genre, tu étais trop sapé, quoi. Regarde quand même. Et à comment ces gens? On dirait les gens de l'Académie française. Petit, calme-toi. Petit. Mais ça, c'est assez mimosa. Petit. Attends, tu reconnais que c'est pas la même couleur que les deux derniers. Ton mot diable au placard. Tu parles de. Donne la chaîne, qui t'en connaît même? Faut te calmer, hein. Bon, Makoso. Attends, venez raconter aussi. Ta mort, tu racontes. Makoso, il y a un truc que moi je veux savoir. Hein. Vas-y. Concernant tes filles, ouais. Hein, tes deux jolies filles, elles sont magnifiques, tes filles. Merci hein. Beaucoup. Je les aime beaucoup. Merci. Mais je peux savoir leur âge. La plus grande à quel âge? 18 ans. Et la deuxième? 17 ans. Est-ce que tu trouves normal que déjà à cet âge-là... C'est tes enfants? Attends d'abord, j'arrive, tu es pressé. Est-ce que tu trouves normal? Mais comme ta bouche est dans toutes les sauces là, nous on va mettre nos bouches dans ton affaire. Parlez de mes enfants. Je dis, est-ce que tu trouves normal? Dieu ne peut pas nous maudire. Allez-y, parlez des orphelins. Je dis, Dieu ne peut pas nous maudire. Moi, mais c'est orphelin aussi. Carrément. Nous sommes orphelins ici. T'as dit quoi tout à l'heure? T'es frappé là. J'ai entendu hier, t'es frappé. Défalé. Il y a l'homme croqué ton nez. Si. Je suis le plus nerveux. Tu n'as pas les nerfs. Tu es vampire. Tu fais semblant d'avoir les nerfs. Moi, je suis trop posé. Tu es vampire. Il croque nez. Allez, la question. Donc, je voulais savoir. D'où se sort cette violence? Il est violent. C'est un ancien gangster. Et tu crois, tu n'es pas obligé de continuer d'être gangster? Eh, mon papa dans lequel on est là, c'est un gros caillou pour réussir. Hein. Et pays dans lequel on est là, faut pas être zézin. Ça va, ce qui va t'arriver. Attends, je vais poser ma question. Pose la question. Je dis, tes filles sortent à peine de l'adolescence. Oui. Hein. Pourquoi tu les habilles comme des femmes de 45 ans et sont maquillées lourdement pour aller dans des cérémonies 17 ans, 18 ans? Est-ce que tu es sûr que tu leur as laissé le temps de vivre leur adolescence, pardon? Elles sont à peine de l'adolescence. Hein. 17 ans même, elle est encore adolescente. Si tu me disais au moins, Makoso, tu enfermes tes enfants, tu les empêches de c'est voir pas de comment ça le qu'il s'agit. Monde est. Mais c'est adolescent, ça même qui est là, même. Maquillée comme des travestis, là. Oui, maquillée comme des travestis, là. C'est ça, même qui est adolescent, ça même qui est là, maintenant, là, même. Si c'était quelqu'un d'autre qui faisait ça. Mon grand-père est travesti, là. Mon grand-père n'a rien à voir avec tes maquillages. Mon grand-père, là, le vieux sorcier, là. C'est lui qui maquille mes enfants. Il n'était pas sorcier. Je dis. Non, c'est son le vieux, son grand-père, le vieux sorcier, là. C'est lui qui maquille mes enfants. C'est mon grand-père qui m'a dit de poser la question, là. Mais non, tes enfants sont maquillés autres. Mais à 17 ans, comment tu peux maquiller des petites filles de 17 ans comme ça? Hein? Bah, où est la photo? Oh, on les a vus au primus d'ici, on les voit tout le temps ici. Mais elles étaient toutes belles, elles ont fait des 50 000 likes, tout le monde est content de voir les enfants. Non. On t'a rendu des loups maquillages et travestis. Mais c'est normal, puisqu'elle a une maquillage société. Maquillage de elle a une société de maquillage. Donc, c'est normal qu'elle s'est maquillée. Maintenant, j'aimerais vous donner l'information que nous sommes la famille Kardashian de la Côte d'Ivoire. Selon toi? Mais bien sûr. Ça, c'est selon toi. Tous les jours, nous sommes. Mais le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Nous sommes la famille la plus populaire. Tu peux suivre les Kardashians. Laissez-moi finir maintenant. Vous pouvez suivre le rythme de vie des Kardashians. Mais c'est ça, on a commencé. Il se balade sur les réseaux. Il se balade où ça? Il se balade pas sur les postes des gens aussi. Hein, comme vous faites là, il faut pas ça. Non, tu penses de qui? Makoso, tu es partout maintenant sur le poste de toutes les petites filles. Mais oui, dès que ça commence, même Makoso Camille, tu es en bas. Mais d'abord, j'aimerais vous informer que j'ai au moins 17 administrateurs sur ma page. Mais tu aimes trop te vulgariser. Ok, laissez-moi. 17 administrateurs sur ma page. Qui peut prendre le soin de. Je leur ai donné libre accès à mes pages. Revenons sur les enfants. Mm-hmm. Ma fille Kimberly a 18 ans. Kimberly Kardashian est chef d'entreprise. Ok? Mm-hmm. Avec sa petite Range Rover. Mais c'est je ne sais pas à 18 ans. Pour faire quoi, je ne sais pas à 18 ans. Où toi, dans quel maquis toi tu étais? Je traînais dans les bars de Makoso. Okay. Toi et moi on était ensemble à la Maca. Ah, ça c'est une bonne adresse là. Ouais, tu as
Voilà. Maintenant, je reviens maintenant à la réponse. Ma fille est chef d'entreprise. Et dans l'art du business. Et la deuxième est son mannequin. Donc, partout on parle de gala, personnalité, monde culturel, autre, elle doit s'introduire dans le milieu pour étendre sa toile sur le plan marketing. Okay. Si demain, Carmen Sama, par exemple, vient faire une photo pour parler de son produit, ça prend donc, elle va là-bas aussi pour se faire des connaissances, des clientèles et autres. Donc, voici pourquoi je mets mes enfants dans ce milieu. Sinon... Tu es en train de les vendre, en fait? Non. Je suis en train de leur monter ce qu'on appelle le marketing commercial. Aller là où se trouvent les gens dans le but de leur présenter ses produits. Elle était à Misson Nzassa. Sur la vente des elle a vendu ses filles là, c'est son mal. On a vu comment Kim a commencé. Hein. Vendu ses filles comment? Bon. Mais en fait, vous parlez des choses que soi-même c'est dangereux. C'est des Kardashian. Non, vous êtes les Kardashian. Tu dis, elle a vendu ses filles. Mm-hmm. Ce que vous dites est grave. Mais vous êtes dans un pays PPTE, s'il vous plaît. Vous êtes dans un pays pauvre, très endetté. Vous parlez des gens qui vivent dans un pays qui te donne à manger la puissance au monde. Attends, mais quand tu connais les Kardashians, toi tu connais les Kardashians, toi tu parles de toi les Kardashians. Mais il respire là. C'est pas même un, on respire. C'est pas même un que toi tu respires. Pays qui te donne à manger la tête. C'est pays là tu parles de la maladie, de la médiocrité. Toi tu as dit que la femme a vendu ses filles. Quelle Kardashian? Quand elle a vendu ses filles sexuelles. Donc tout ça, c'est. Attends, mais pourquoi tu es gris, fais la vie de cette personne. Quels sont les exemples de ta vie? Pardon? Toi, parce que je me pose des questions. Les exemples de moi, ma vie. Oui, toi, c'est moi-même mon exemple. Mais donc arrête de parler des autres là. J'ai dit, c'est moi-même. J'essaye de dire que toi, je te donne une image. Non, mais moi, quand on parle des Kardashians, on parle d'une famille people qui a une télé-réalité. Vous comprenez? Voici nous notre objectif. Nous souhaitons, nous sommes en train d'établir, nous sommes déjà plus de 17 épisodes de télé-réalité de notre famille. Mm-hmm. C'est pour ça que je l'assimile à la famille Kardashian. D'accord. Makoso, au début de l'émission, je t'avais posé une question. Je t'avais demandé quel était le but de ton existence. Ouais. J'ai l'impression que le but de notre existence, là, c'est de plaire aux hommes, c'est pas de plaire à Dieu. C'est ça. Ok. Dans le monde dans lequel nous sommes là, oui, c'est le but de mon existence. Ah, bon, bon, bon. Dernière question, Makoso. Tu as été délivré. D'accord. Ça peut te faire plaisir. Non, non, c'est de plaire aux hommes. Non. C'est ce que tu as dit. C'est de quoi on parle. Makoso veut plaire aux hommes. Il ne veut pas plaire. Mais ça, c'est ton opinion. C'est pas mon opinion. Il a posé une question. C'est ce que tu as dit. Ah non, ce n'est pas une opinion. C'est pas une question. Il a donné une opinion. Mon ami, le monde dans lequel nous sommes là, la Bible déclare Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent à la part. Rance. Dans le monde dans lequel tu es là, donc, quand tu veux gagner les hommes, il faut leur donner aussi une bonne apparence. Parce que nous sommes appelés à les prendre pour les amener vers Dieu. Il faut te calmer. Mais comment? Comment? Un, par l'enseignement. Okay. Je suis le meilleur coach en stratégie de réussite dans ce pays. Adama. Toujours tu es le. Je suis le meilleur! Tu es le. Qui t'a dit que tu étais le meilleur? C'est selon toi ou selon les gens? C'est selon toi ou selon les gens? Vous. D'abord, selon moi, s'il vous plaît. C'est une nation de bon, ok. Qui vous connaissez en matière de stratégie pour réussir? Calme-toi. C'est moi. Calme-toi. Quand j'ai dit je suis le meilleur. Quand j'ai dit je suis le meilleur, vous devez m'amener une personne contradictoire dans ce que j'ai dit. Lui, il est meilleur que toi. Non. Qui? Gédéon de la Tchétchouba. Il est coach en stratégie de réussite. On n'est pas là pour faire des comparaisons. Face à toi, Gédéon, c'est le pasteur de la rue. De toute façon, même là, tu t'es fait laminer même pas Aziz Karam. Aziz 47 m'a laminé. Oui, pratiquement ça me fait. Non, attendez. Aziz 47 m'a laminé. Le débat est clos. Pourquoi? Tu es aveugle. En fait, tu n'es pas dans le pays. Tu vis dans un autre monde. Comment ça? Seigneur, que l'esprit qui est en lui sorte. Esprit méchant qui est en lui sort de ce corps. Sort de ce corps. Mais laisse sa mère. Il veut se battre. Sa mère ne veut pas te battre. Je te délivre. Ok. Aziz 47, faut bien t'asseoir. Je suis bien assis. Je suis. Aziz 47 m'a vaincu dans le pays là. Tu es assis là et puis je te parle. Et puis même il ose même te parler à il toi. Il allait crier là-bas. Tu as dit crier là-bas, tu m'as dit. Il n'avait pas voulu parler en fait, Aziz. Je comprends sa position. Dernière question, Makoso. Il a fini sa question. Je n'ai pas encore fini. Bon. Quelle est la question? Tu te fais laminer lamentablement par un féticheur. Tu es chrétien? Moi, je ne suis pas un chrétien. Je suis un fils du Très-Haut. Merci bien. Tous les véritables fils du Très-Haut de ce pays, tels que le meilleur chanteur chrétien en Côte d'Ivoire actuellement, c'est qui s'appelle Kaïs Oblomo, tous les pasteurs de ce pays, les éminents hommes de Dieu, sont tous dans mon téléphone pour dire enfin, tu as pu démontrer au monde entier que tu es un homme de Dieu. Oh, eux, ils te blaguent. Comment des vulgaires païens assis sur un plateau peuvent avoir plus d'audience
que des éminents hommes de Dieu. Comment un vulgaire pasteur peut se permettre de jouer les influenceurs? Un vulgaire pasteur qui se vulgarise lui-même. C'est-à-dire, on quitte Choisis 47, on va ailleurs. On va parler de toi. Donc on n'est plus Choisis 47. On va maintenant sur la sexualité. On va maintenant sur la sexualité. Monsieur Aziz 47 s'est promené sur tous les plateaux de télé pour faire croire que lui rend les pasteurs aveugles. Il s'est promené sur tous les plateaux pour faire croire que celui qui le défie, il le couche. Que c'est lui qui donne la puissance à 98% des pasteurs dans leur église. Je suis allé sur le plateau, je lui ai dit, si tu dis, tu es féticheur. Comme le prophète Élie et le prophète de Baal, il a donné d'abord la primeur au prophète de Baal. Priez votre Dieu que le feu descende. Je lui ai dit, si tu es garçon, lance un sort. J'ai fini de parler, M. Aziz 47 est resté. Le seul mot qu'il a pu à dire, si Marcos ne me convertit pas aujourd'hui, il sera le président de tous les féticheurs. Le monsieur a été laminé, démonté. Depuis plus de 3 jours, il ne fait que pleurer sur les réseaux sociaux pour dire, en disant, je n'ai pas été préparé, on m'a piégé et autres. Quelqu'un qui a gagné qui dit qu'on l'a piégé. D'accord, Marcos, ce que je te propose. Adama, ce que moi je te propose. Toi, tu n'as pas gagné aussi. Hein, défalé. Moi je n'ai pas gagné, c'est Jésus qui a gagné. Défalé. Au moins ça c'est mieux. Ce qu'on a proposé. C'est Jésus, monsieur défalé. Je suis allé démontrer. Qu'aucun fétiche n'est au-dessus de Jésus. C'est vrai que je viens de faire le show sur les plateaux télé et autres pour donner ce qu'il faut donner. Mais en matière de Jésus, jamais qu'un apprenti féticheur s'amuse avec le nom de mon Seigneur. Il ne peut pas s'amuser avec ça. Devant Gédéon, tu ne piques pas. C'est Aziz 47. C'est quoi les mots? C'est Aziz 47. Maintenant, je ne plais plus aux hommes. C'est Aziz 47 qui est ton souffre-douleur. Pourtant, devant Gédéon, tu ne piques pas. Ok. Madame. Il va dire les pasteurs de la rue. Hein. Non, madame, s'il vous plaît. Vous travaillez au niveau d'une chaîne de radio de ce pays, s'il vous plaît. Vous savez très bien que votre chaîne de radio a voulu organiser un débat face à face entre moi et Aziz 47, plutôt avec Gédéon. Gédéon. Oui ou non? Qui a refusé le débat? C'est toi. C'est bon, c'est bon. Bon, si on organise un face à face, dans Fafage, Makoso face à Aziz 47, tu es prêt? Mais c'est moi-même qui ai demandé le match retour, il ne pourra pas. D'accord. Nous, on va lui proposer ça d'abord. Sa destruction sera totale. Mais il faut que tu te confesses. Comment? Parce que tu viens de pécher. Pourquoi? La radio a appelé M. Gédéon. M. Gédéon a refusé le face-à-face. C'est parce qu'il ne veut pas se mettre à ton niveau. Mais tu viens de dire devant le monde entier que c'est moi qui ai refusé. Mais il ne veut pas justement. Il a dit qu'il ne venait pas. Laisse-moi terminer. Tout à l'heure, a dit c'est moi qui ai refusé. Tu as refusé. Maintenant, confessez-vous. Tu as refusé une première fois. Je n'ai la jamais deuxième refusé. Fois, Gédéon a dit qu'il ne venait pas parce qu'il ne voulait pas se mettre à ton niveau et que tu étais au plus bas niveau de bassesse. Oui. Voilà. D'accord. Maintenant, vous dites que le monsieur dit Marcos au bas niveau. Lui, là, il prêche dans les quartiers d'Abidjan. Moi, je parle dans les nations. Le jour où je sors dans un quartier, c'est 15 000 personnes. Jésus aussi prêchait dans les quartiers. Hein? Mais comment je sors dans les quartiers, c'est 15 000 personnes? Jésus nourrissait plus de 3 000 personnes. Il rassemblait des foules. Lui, il rassemble 50 personnes, 60 personnes. Il était crié comme un fou dans les rues. Moi, je ne fais pas débattre avec des fous. Qu'ils viennent ici sur le plateau. Je suis le meilleur de ma génération ici. Tu es un peu imbu de ta personne. Faut laisser ça ici. Jésus s'est levé un matin et dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est pas l'orgueil. J'affirme qui je suis. Ah mais c'est la vérité qu'elle t'a dit. Toi, tu connais qui peut me défier en matière de débat dans ce pays-là. Quel débat? Faut envoyer un. Face à Jésus, déjà tu es sur Maman Jésus, faut te calmer. Faut te calmer. Maman Jésus, Tamaya. On a fait un débat, non? Mais elle est là quoi. Elle est là. Bon, qui toi tu connais? Elle est là, quelqu'un. Faut proposer quelqu'un. Non, pas proposer quelqu'un. Toi tu vas aller les autres, c'est que tu as dit, tu vas dire. Propose quelqu'un. Viens le manger devant toi. Alors, bon, une dernière question. Moi, une question, m'attends. Marcos, tous les tours des plateaux, télé, tu fais, tout ça. Tu as un album à sortir, tu es devenu un artiste. Bon, qui tu es qui même dans tout ça là? Mais pas tu fais les plateaux télé partout. En vérité, vous le reconnaissez avec moi. Non, on ne reconnaît rien, attends. Vous le reconnaissez. On dit les gens. Oui, sur la toile. Non, mais Marcos, on te voit partout. Sauf dans ton église. Il est dans l'autre là-bas. Sauf dans l'autre, on te voit. Et puis après, tu n'évangélises même pas. C'est buzz sur moi qui t'en fait là-bas. Ah, d'accord. Et puis, il cherche les petites filles dans le truc. Comme les Sarah Messan. Je te regarde, j'attends que tu finisses. J'ai fini. On dit pourquoi Marcos est sur tous les plateaux télé. Tous les plateaux télé, 2 jours là, tu cherches quoi? Tu vas sortir un album? Non, s'il vous plaît. Toute modestie mise à part, je suis le meilleur client de toutes les émissions télé. Ah, c'est. Pourquoi il est narcissique à ce point? Franchement. Quand je suis sur un plateau télé, même les animateurs, après l'émission, disent « Waouh, c'est fait une belle émission. » Je suis le meilleur. C'est pas de ma faute. Dernière question, Makoso, parce qu'on va boucler. J'ai entendu dire que tu es proxénète, dans le sens où tu prends les petites filles, les bogueuses, je ne vais pas citer de nom. Déjà, quand tu finis de sortir avec elles, et puis après, tu les places chez des autorités compétentes. Donc, papi, tu goûtes le produit d'abord. Voilà, lui, teste la marchandise, et puis après...
il livre. Le, la seule et quand, partie et quand, quand il livre, il a son pouce. Attends, quand tu l'as pris toi-même, tu as dit quoi à ceux qui t'ont donné l'information. De là, dis quoi. Moi, je suis pas ton manager. Ah, puisque tu me connais. Puisque tu es mon échange. J'ai dit, on a dit. Bon, ok. J'ai terminé ma question. Comme je n'étais pas vendu. Donc, faut m'expliquer. Ok. On dit tu vends les petites filles dans le showbiz ivoirien. C'est-à-dire les petites blogueuses bien là. C'est-à-dire toi, tu framponnes ça d'abord. Et puis après, tu places ça chez des autorités compétentes et tu as ton pourcentage dessus. Qu'en est-il exactement, vrai ou faux? Quand les petits du showbiz me contactent parce qu'elles ont des problèmes, je règle le problème avec l'assez d'argent que Dieu m'a donné. Après, tu en fais une marchandise. Pour, vous voyez, c'est ça. L'Afrique sera toujours en retard à cause du pronom imbécile « on ». C'est-à-dire, on se lève, on dit « on », on ne donne aucune référence. C'est vrai on donne... c'est faux. Toi-même, tu sais. Je ne sais rien de la question. Et c'est comment on se fréquente. Vous devez t'en faire ça. Mais fallait, vous êtes tu dans le avancé. Milieu du showbiz. Oui. Dans ce milieu-là, rien n'est caché. C'est justement ce qu'on a entendu là, c'est pour ça qu'on t'a demandé. Mais ce milieu même-là ne connaît même pas Makoso. Je suis chez moi à la maison, tout le temps en deux avions. Ce milieu ne connaît pas Makoso. Votre pays là, je suis pas non plus ici maintenant. Donc vous me parlez. Mais donc faut rester où tu vas, tu t'en vas là. Pourquoi tu reviens? Mais je reviens parce que ici c'est mon pays, pour vous faire sortir un peu de la galère. De temps en temps. Non, on n'a pas besoin de toi pour sortir de la galère. Tu dis qu'il y a un. Attends. Faut pas parler dans tout le monde, faut pas parler en ton nom. Pomme-moi Badjera là. Tu viens de quelle région? Je suis de Oumé, Vilak Tiba. Mais comment c'est aider les gars de Oumé là d'abord, avant de finir aider les gens au dehors là. Vous voulez que je vous réponde? Oui. Avec la Bible? Non, c'est pas la Bible. Non, il n'y a pas de Bible ici. Non, comme je suis. Va aider les gens de Oumé, hein? Comme c'est toi qui es le aideur, toujours tu as le mais les gars de Oumé sont moisiment baisés là-bas. Aziz 47 l'a dit. Tu veux manquer de respect aux gens de Oumé. C'est Aziz 47 qui a dit, c'est pas moi. Aziz 47 n'a jamais dit que les gens de Oumé sont moisis et moi ils baisent. Tu vas assumer ça devant eux, je ne suis pas dedans. Non, ça. Tu es en train d'insulter une région de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ta maman, il laisse ça. Non, c'est pas une maman, tu es en train d'insulter les gens. Bon, ok, c'est tu parles des gagous de ce pays-là. Bon, ok. Là, pour peut-être t'es rien. Tu fais quoi? Tu les as aidés? Vous voulez que je vous réponde? Tu fais quoi pour ta région? Vous voulez que je vous réponde? C'est que toi, tu fais là, c'est quoi pour eux, dis-nous. Je réponds. Je vais maintenant répondre. Ma région, c'est la Côte d'Ivoire. Oh, laissez ça. Tu n'as rien dit. N'a rien dit. L'émission est terminée. Si je n'ai rien dit, moi, ma région, là, c'est la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas Conan, tu on va te localiser à une région, à un village. Je m'appelle Makoso Camille. Je suis ivoirien. Mon ethnie, là. De ça, non, je ne suis pas ivoirien de Oumé, je suis ivoirien de la Côte d'Ivoire. Ce côté sorcier, ce côté régionaliste, ethnique, doit sortir du langage des Ivoiriens. Si nous voulons parler en tant que nation. Mais chacun fait pour sa région. Non, madame. Si vous pensez comme ça, la Côte d'Ivoire n'avancera jamais. Là, demain, s'il vous plaît, demain nous serons face à une guerre civile. Hey. Le Djoula ne doit pas dire Congo là c'est chez nous. Non. La Tienne doit dire Congo c'est chez moi. Abonzabé c'est chez moi. Oumé c'est chez moi. Non. C'est l'Ivoirien. Quand on parle d'une nation, l'ethnie n'existe plus. Je ne vais pas prendre mon argent pour aller aider ma région. Jamais je ne le ferai. Parce que ma région c'est la Côte d'Ivoire. C'est bon, l'émission est terminée. Parce que avec tout ça là, ce n'est pas la peine. Alors, dames et messieurs, c'est pas la peine. Non, ce n'est pas la peine. Enfin, où c'est arrivé là, c'est mieux comme ça. Ah, ben d'accord. Ah, ben d'accord. Il n'y a plus de questions maintenant. Non, c'est bon. C'est ah, d'accord, merci. On va continuer sur l'histoire. Non, mais je suis prêt pour vos questions. Non, invité, non. Non, on a d'autres choses à faire. Ce n'est pas. On n'est pas bête, là, on doit aller chez l'argent. Ouais, ah, d'accord. Ah, d'accord. Et puis, voilà, nous, Makoso, tu te drogues souvent. Makoso a dit tout à l'heure qu'il n'a pas de relation sexuelle. Donc, je veux savoir. Il frappe à Oko. Madame. Ah, monsieur. Madame. Monsieur. Ma sexualité vous intéresse? T'as vu tout le magnifique. Ça intéresse les Ivoiriens parce que tu dis pas la vérité. Tu te prends les pays qui ont des ordres. Ma sexualité n'intéresse pas les Ivoiriens. Attends, vois ta pomme. Vous attends, voici ma pomme. Tu n'as même plus d'empreintes. Arrête, mes amis. Voici mes empreintes. Il n'y a plus d'empreintes d'Aoko. Voici mes empreintes. Les empreintes ont disparu. Ah bon? Oui. D'accord. Entre Aoko et aller pêcher, je peux faire peut-être l'Aoko. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. C'était le Fafa avec le célébrissime général Camille Makoso. Restez connectés, continuez de partager sur la toile, vous qui prononcez toujours les commentaires sur Ivoire TV Musique. Suivez-nous sur les pages Facebook et partout ailleurs. Big up au PDG Pierrot, big up à la grande famille Kangala le Berger, big up à la marraine Mathilda, big up à Ange Bé le Cultivateur. On est ensemble, big up à Cra de Paris. Bientôt la réouverture. Restez connectés et... sortez couverts, que Dieu vous garde. On est ensemble.